Les gens m'arrêtent souvent dans la rue pour me demander pourquoi tu t'appelles Fury. Ben c'est simple, c'est parce que Fury, je m'indigne contre des affaires. Puis en 2011, j'ai eu pas mal d'affaires de même qui m'ont tapé ses nerfs. Fait ce que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est un top 7 des choses qui n'auront pas aucun cadeau cette année. Pour avoir dévasté la moitié du Japon, puis pour avoir inondé la vallée du Richelieu. Sérieux là, not cool. Pour avoir emporté toutes sortes de bons mondes, incluant Steve Jobs. Me semble qu'on pourrait avoir un break à un moment donné, non? Pour continuer à nous coûter inutilement cher de shipping, puis nous priver de plein de bons services puis d'innovations technologiques comme Spotify, Kindle Fire, Google Music, puis une bonne sélection de films sur Netflix. Je suis désolé, mais les services de location de films qui ont ni Ghostbusters ni Lord of the Rings, ça devrait pas exister. Pour avoir augmenté de 1% en janvier dernier, puis encore 1% en janvier prochain, non mais tu veux-tu ma chemise avec ça? Pour gaspiller du papier puis offrir aucune façon de se désabonner. On est en 2011, il me semble qu'un abonnement par courriel, ça serait possible, non? Pour avoir encore laissé sortir un film sur Twilight, non, mais ça achève-tu, là? Pour le coup salaud à Patcherity puis pour avoir gagné la coupe, on va se revenger. À demain.